Bon, salut tout le monde, c'est parti pour le championnat de France Superbike. Je suis engagé avec ma Kawasaki et là on est jeudi et je fais la queue pour entrer sur le circuit. On est vendredi matin, j'ai ma première séance, ma FP1 dans une petite heure, là je vais chercher le transpondeur à l'accueil. Et voilà, la météo du monde pour changer. Belle météo, bien dégueulasse. C'est toujours pareil. Hein. Le monde, il y a tout le temps de la flotte, c'est incroyable. Ça va, là, pas grand mal. Hein. Ouais, je suis en FP1 et du coup, ça va. Il y avait un demi-guidon de cassé. Il y avait quoi? Il y avait pas le calpier, il est pas plus long celui-là? Si, il est plus long que le calpier. Ouais. On l'a pas grand mal quand même. Hein. C'est pas méchant quoi. Ouais. Bon, je me suis bien gavé de crème, tout ça, d'antidouleur là. J'ai pris un petit Doliprane, et puis ça devrait le faire. Donc là, il est 15h42, ça part à 16h30. Donc j'ai un peu de temps. Là, je suis déjà en train de me préparer. Et puis, j'ai un mal ici, là, partout, tout le côté gauche là. Ah, j'ai hyper mal. Mais bon, on va essayer d'aller se faire plaisir parce que là, le moral, c'est pas trop ça, quoi. C'est un bordel. Je suis tellement découragé que j'ai tout laissé en vrac. Écoute, Jérémy, tu veux faire des histoires, Jérémy. Écoute bien, Jérémy, tu veux faire des histoires. Le cercueil de mes morts, si tu en veux des histoires, ton frère, écoute tes morts avec. Il va avoir des morts chez vous, va voir. D'accord? Je t'avertis que moi, c'est un méchant, moi. Hein. Moi, c'est un méchant, j'ai pas un pigeon de tes morts comme toi, moi. Hein. Alors, si tu veux venir tirer chez moi, tu viens tirer chez moi. Mais le cercueil de vos morts, vous allez manger tout pour me rappeler. D'accord? C'est 25 minutes la séance.
Donc là, c'est deux fois. Kenny, Kenny, en FP3, pourquoi on n'a pas limité en pneus non plus aussi? Parce que là, on peut passer 200 pneus, quoi. Bah oui, mais ça, c'était pareil l'an dernier. Bah non, parce que là, on bah, en FP3. Tu disais? Si, mais c'est vrai. Regarde, là, à côté, dans la petite lane, à côté de... Bon, fin de journée. Bon, la FP2 c'était quand même mieux. Par contre, j'ai pas la bonne démule. J'ai pas du tout la bonne démule. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est la vidéo! Ouais! C'est la... Donc je disais, non, mais du coup, la journée s'est pas trop mal passée. Après, je me suis un peu trompé de démule. J'ai mis 16,41 à la place de 17. C'est 17,41 la bonne démule et j'étais mettre 16. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et du coup, on va, là ce soir, on a changé la démule pour demain. Je mets un avant neuf, parce que j'ai roulé en vieux pneu aujourd'hui, en très vieux pneu. J'ai fait 42,3. Avec un pneu arrière qui a déjà, il avait deux courses de CLNA, plus un roulage. Donc là, les témoins sont quasiment au bout. Je repars demain matin en FP3 avec ce pneu-là, mais mi-séance, je passe une balle neuve. Parce que la FP3, maintenant, ça compte comme une pré-qualif. Donc voilà. Quoi d'autre? Oui, l'éthanol, du coup, je peux pas. Ça consomme beaucoup trop, je suis obligé de repasser en essence. Donc là, j'ai remis une carte au essence. On a été acheter de l'essence du coup, et donc repassage en essence, trop de, je crois qu'on est à 1,4 litre autour avec l'éthanol, c'est énorme. Et j'ai fait 12 tours avec le plein, et le problème c'est que j'ai déjaugé une fois au garage vert, mais je pensais pas que c'était ça, j'avais cru que j'ai mis le pied sur le shifter, et c'était pas le cas, j'ai eu déjà une première alerte, mais j'avais pas le voyant fuel en fait d'allumer, donc j'ai continué, je me suis dit on verra. Je sors du raccordement et là la moto à coupe et ça me met fuel en même temps que ça coupe. Sauf que derrière il y avait un gars qui était à la spi ou qui allait me déboîter, je sais pas trop. C'était Mac Di Meglio et du coup il m'a tapé le bras. Et lui il est parti dans l'herbe, il s'est encastré dans le mur et il a glissé mais sur une longueur. Donc j'ai été le voir après, heureusement, il va bien. Mais ouais, plus de peur que de mal. Après c'est dommage de... C'est cassé du matériel pour rien, mais ouais. Et au final, j'ai pas compris parce que 12 tours, c'est très très peu, quoi. Donc à l'éthanol, normalement, on avait compté, ça devait tenir quasiment 16 tours à l'éthanol. 18 tours. Donc le tour de rentrée, ça aurait été compliqué, mais ça devait passer. Mais en fait, pas du tout, quoi. Ça passe vraiment pas. Donc boulette, quoi. Ouais, j'en ai compliqué entre la chute ce matin,
cet après-midi, la coupure avec la chute de Di Meglio à cause de moi. Ah, j'en ai pas large. Je l'ai revu au briefing, je me suis réexcusé. Mais j'ai surtout eu peur parce que oh, le mec, il est sorti d'une force. Et je l'ai croisé après, ça allait. Il l'a super bien pris. Super mec. Vraiment sympa, aucun reproche. Il me dit ok, mais ça peut arriver, pas de problème. Donc bon, je vais vous mettre la vidéo, vous allez voir. Demain, FP3 à 10h45 à peu près. La moto est prête. Bon, je ressors du kiné. Oh, ça refait. C'est incroyable. Je pense que ça va aller mieux pour demain. Ça va pas être foufou, mais en tout cas, j'ai le bas du dos et puis la jambe gauche, c'est hyper tendu. Mais ça va le faire. Enfin, c'est pas les 24 heures du Mans, mais même au Superbike, il y a des ruptures. Alors, n'entends pas trop, mais ça cogne pas mal. Hein. C'est là que j'ai acheté mes cartouches ce matin. Ah, du coup, il m'en reste qu'une. Ouais. 100 balles la cartouche. Oh, il y a même un bicylindre qui cogne. Bon, samedi matin. Là, il est 9h15. Il y a la FP3 à 10h55. Je vais aller au box. J'ai les affaires à ramener là. Et puis voir ce qu'ils ont mis dans les pneus là pour les pressions. Donc là je pars avec un pneu avant neuf, plaquette neuve, le pneu arrière, le vieux pneu arrière, mais je fais quoi? Je fais 10 minutes avec et après je passe une balle neuve. Parce que la FP3 compte pour la Q1, Q2, c'est un peu comme en MotoGP, sauf qu'on n'est pas en MotoGP. Puis moi la Q2 je la verrai pas. Mais bon. Et je me suis gavé de baume aroma, je sens le baume aroma à 2 km. Tous les gars que je croise, ils se retournent. Ah là, je me suis gavé. Est rentré au bout de deux tours. La démule était pas bonne, on tirait beaucoup trop long, donc là on vient de passer une démule plus courte. On va voir ce que ça donne, on passe balle neuve. Le changement d'électronique vu qu'on change la démule. Voilà, on va repartir après. Pneu quasiment neuf, juste rodé, et puis balle neuve à l'arrière. Nickel, tout le monde travaille, c'est nickel.
toi, pas de chevaux. La pompe à essence est sûrement morte, donc là on est en train de changer la pompe avec une nouvelle crépine, puis on verra. Mais là c'est une catastrophe ce week-end, il n'y a rien qui va. Bon, là faut que j'aille faire les photos parce qu'hier j'ai pas fait les photos en salle de presse. Je pensais que c'était que les pilotes moi, qui faisaient le championnat qui faisaient les photos. Donc là faut que j'y aille. Je sors du kiné. Ma tourmi nickel. On a fait une séance de cryothérapie, je crois. Ça s'appelle comme ça. Et puis là, le team, ils ont monté une belle nouvelle arrière et une nouvelle pompe à essence. Parce qu'en fait, c'est la pompe à essence qui était morte. C'est pour ça qu'elle marchait comme un 600. Centre média, c'est là-bas. Ah, la moto a marché comme un 600. Pff, j'ai fait une FP3, j'ai fait un 43. Et la moto, elle tirait pas. Je connais hyper tard pour compenser, mais la moto, elle avançait pas, quoi. Tout le monde m'a déboîté dans le bout droit. Ah, les week-ends en superbike, quoi, c'est toujours compliqué. Les autres week-ends, ça va toujours bien, mais alors là... Manicourt, ça allait pas, Le Mans, ça va pas. Mais bon, si ça marche en qualif, le week-end est sauvé. Si ça marche pas, fin de chantier. Bon, les photos, c'est fait. Maintenant, faut que j'aille changer ma carto et ma démule, parce qu'en fait, j'ai essayé en FP1, j'avais 17. Non, j'avais 16-41. Après, on a fait 17-41. C'était pas bon. On en a fait 17-43 en FP3. C'est pas bon. Et la bonne démule, en fait, ça va être 17-42. 17-42, ça va être pas mal. Parce que là, je tirais quand même un poil court encore. Tu fais des stories pour toi. Bah, j'ai une fatigue. Bike and Race, l'asso. C'est grâce à eux qu'on a au Superbike. Tous ces sponsors. Tu disais ? À 14h, c'est l'heure de manger. Et qualif à 16h. Bon, il est 15h30. Dans une demi-heure, c'est qualif. Cette fois, j'espère que tout va s'accorder. Et toutes les planètes vont s'aligner. Et que ça va le faire. Bon, on va partir au qualif. Q1. On est obligé de mettre la moto en jaune fluo et de virer les stickers parce qu'on a un panneau hauteur qui est là-bas, là, qui voit absolument rien. Il est pas foutu de voir les couleurs quand il y a un tout petit peu de jaune fluo, donc là, bah, il a plus d'excuses. Hein. Ah, voilà. On part pour la qualif Q1, la moto est prête, normalement les problèmes sont trouvés, c'est bon. Il n'y a plus qu'à. Une petite note pour le pilote. Voilà. Pose le cerveau et prends tes couilles à deux mains, soude tes morts. Voilà, si là il nous soude pas quelque chose et qu'il fait pas quelque chose de bien, moi je sais plus quoi faire. Allez, il n'y a plus qu'à. Espérons que tout se passe bien. On croise les doigts. Les gars, un petit mot avant la qualif. Et soude tes morts. Allez, la qualif est partie. La pompe parce que la moto elle a pas de chevaux, donc on va tester les deux pompes. On va le savoir déjà. Samedi soir, ça a été pareil que vendredi. C'était un samedi pourri, mais bien pourri.
Je n'ai même plus de plan sur la comète parce que je ne sais même pas si demain ce sera mieux et si ce sera pire. Donc ce qui s'est passé dans les grandes lignes, en qualif, en fait j'ai mis la map F, la moto coupée, donc j'ai mis la map M, donc c'est la map pluie. Mais ce qui se passe c'est que la moto, donc elle est plus douce, elle a moins de chevaux et en fait ça arrivait à rouler comme ça. Mais la map pluie par contre il y a beaucoup de freins moteurs. Donc j'avais du dribble. Et puis j'avais une moto qui tirait pas. En Vmax j'étais à 260 en meilleur et 255-257. Donc autant dire que j'avais une Vmax de 600 quoi. Donc pas top. J'ai quand même réussi à faire un 42-3 en freinant hyper tard mais pas cool. Et ce qui s'est passé là c'est que ce soir j'ai Emeric, un pote qui est mécano qui est passé, on a contrôlé la pompe et en fait il s'est avéré que la pompe était bonne. Donc le problème vient pas de la pompe. Le problème venait de... Enfin, je sais pas, faudra valider demain de toute façon, mais... C'était sûrement en fait le... En fait j'ai un pote qui a un G là, enfin Emeric, qui est passé. Il a regardé un petit peu le CU, tout ça, enfin le faisceau KRT. Et en fait quand j'ai envoyé la carte au-dedans, c'est possible qu'il y avait trop d'anciennes infos, donc on a vidé le faisceau KRT, on l'a remis en sortie d'usine en fait. Ensuite on a réinjecté la carto, et là ça s'est mis à marcher. La map F a tenu bien le ralenti et a monté au rupteur, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mais maintenant il reste à la valider en roulant demain. Donc là, normalement c'est bon, mais je dis que c'est bon depuis hier déjà, donc... On verra bien. Là, c'est le pire week-end que j'ai fait en course. Course moto, j'ai jamais eu un week-end aussi pourri. Mais là, c'est vraiment quoi. C'est même plus chat noir. Je suis avec Julie dans le box. Là, le côté droit du box, tous les deux, c'est cata. Y a rien qui va. Là, il flotte. Il est 22h30 là. Samedi soir, 22h30. Là, il flotte. Et j'aurais préféré plutôt qu'il fasse beau demain. Parce que si la moto marche bien demain. J'aurais même enfin espéré rouler vite. Habituellement, je roule en 40. 41 régule, 40 en meilleur. J'ai fait ici 40.6. J'espérais vraiment un petit 40 ce week-end. Après, le 39, c'était trop beau. Ouais. Trop d'ambition, je crois. Voilà. Maintenant, la moto est prête pour demain et on fera selon la météo. Dimanche matin, il est 7h20, je vais aller au box. J'ai monté un pneu pluie à l'arrière et puis j'ai 2-3 trucs à regarder sur la moto. Aujourd'hui dimanche, jour du Seigneur. Le Seigneur sera-t-il avec moi? Parce que vendredi, samedi, des problèmes. Si dimanche on n'a pas de problème, c'est bien. À part que je pars 40 sur la grille, quoi. Oh là là. 40 sur la grille, mon Dieu. Mais bon. Non mais ça devrait le faire. Non, il est trop bas pour le faire. Je vais jamais voir la dernière fois. Bon, départ de la course dans 40 minutes. Je suis parti me changer. Normalement ça va être compliqué là. La piste est trempée en fait, mais... ça va pas lever beaucoup d'eau, donc je pense que là il y a les 600 OGP, donc nous on va se retrouver avec une piste séchante. Et séchant c'est pas mon fort, mais bon, piste séchante pour nous. Et alors je pense que les inters ce sera pas mal, les pluies ça passera pas, et les sticks ça va être compliqué. Et j'ai pas d'inters, et donc ce sera slick. Bon, départ dans 15 minutes, à la prairie du moins. Si tu veux, lui c'est le moment. Parce que là, les 600, ils sont... Bon, voilà, on est tous...
prêt pour partir en course 1. La moto est prête. Les petits soucis qu'on a rencontrés hier sont normalement réglés. C'était un souci de cartographie moteur. On a empilé plusieurs cartos et en fait elle a fait un mix entre la carto éthanol et le 98, donc ça marchait pas du tout. Il manquait de la puissance, il manquait plein de choses. La moto elle était méconnaissable. Donc voilà, là tout est prêt. Normalement les problèmes sont réglés, donc bah, il n'y a plus qu'à souder. La piste est séchante, très séchante même. On risque de passer les slicks dans l'après-gris. Donc voilà, il n'y a plus qu'à souder. Le pilote, le joli pilote, ses petits sponsors. Et toujours cette course grâce à Bike & Race, l'asso et tous les sponsors. On remercie tous parce que sans ça, on ne roulerait pas ce week-end. Voilà. Très gris, on repasse les pneus pluie, c'est encore trop humide et il va pleuvoir. Changement de roue avant. Ah putain! Ah bah oui, il aurait pu finir! C'est le pneu qui est. En même temps, j'ai tout démarqué tout parce que j'étais bien et deuxième raison que la température des steaks, ils sont pas. Par contre, elle avait chaud, ça y est. Ouais. Oh bah ok. Là, elle marche bien sur des virages, elle craque. C'est déjà ça? Ouais, c'est déjà ça. Bon, la première course est finie, j'ai fait 3 tours, je suis rentré. En pré-gris, j'ai décidé de garder les pluies. On a regardé en fait la météo, il y a un nuage qui arrivait, et c'est vrai qu'il y avait des petites gouttes. Je me suis dit, bon allez, on tente un coup de poker, on met les pluies, mais c'est pas passé. J'ai fait 2 tours, j'ai doublé, après les mecs en slick qui me passaient. Et je me suis dit, bah si dans le 3ème tour, ils flottent pas, si j'ai pas des gouttes sur le casque, je rentre. Et j'ai jamais eu de gouttes sur le casque.
Donc bah, je suis sorti, hein, je suis rentré parce que le pneu il commençait, de toute façon ça chauffait. Le pneu il commençait à pas mal bouger derrière. Et ça ne servait à rien de continuer. La course était pliée quoi. Donc ça fait chier mais bon. C'était un coup de poker, hein, ça passait, c'était bon. Les mecs en slick, parce que la piste était déclarée white. Donc même si elle flottait, il n'y avait pas de drapeau quoi. Donc je me suis dit, bah allez on tente les plis. C'était séchant plus plus quoi. C'était séchant plus plus. Mais c'est pas passé. Ça passait, c'était beau. Et la moto, ça y est, la moto marche, enfin. Donc c'était bien un problème de carto. Et voilà la météo pour la course 2. Un temps magnifique. Bon là je vais pas me tromper, je vais pas mettre les slicks, hein. je vais faire le bon choix. Petite mascotte. Week-end compliqué pour les collègues aussi, même très très compliqué. Un petit peu de casse sur la moto et sur le bonhomme, mais là le cadre qui est fissuré, c'est un peu la merde. Mais bon. Ah, c'est un week-end compliqué, mais voilà, il a un peu le bras, il se fait repérer demain, le collègue. Et puis voilà, voilà. On croise les doigts, ça a été compliqué pour tout le monde, mais là on va essayer de finir sur une bonne note. Allez, on va partir pour la course 2. C'est parti. Le petit feu de pluie. Place 38e position. Allez, c'est parti pour la course 2. C'est bon, il n'y a plus qu'à se faire plaisir. Allez, départ du tour de chauffe. Les pilotes reviennent se placer pour le vrai départ cette fois-ci. Dernière course du week-end.
j'ai plus d'embrayage. T'as plus d'embrayage? Non, la moto a pas tilt, j'ai pas d'embrayage. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas d'embrayage, la moto a pas tilt. J'ai passé ma course à faire ça là. 27ème en superbike sous la pluie avec une moto de 2013. Si c'est pas beau ça. Ça reste une moto qui est pas morte et surtout un très très bon pilote, notre Jérém. Voilà. Des bonnes choses de valider encore. Bon, on finit sur un drapeau rouge sur une casse moteur. La course était quasiment finie, donc on finit en P27. Embrayage un petit peu fatigué sur la moto, donc elle faisait que de patiner. Piste très piégeuse. Mais voilà, on finit sur du positif, comme on voulait. C'est ce qu'il fallait, c'était important. Important de finir sur du positif. On remercie encore Bike & Race, sans qui on ne roulerait pas ce week-end. Tous les partenaires, SCF Soudure, les copains de Perfusion Moto. Merci à tout ce petit monde-là. Take it back to my future. Bring a lot of hope in your skin. You wanna take a flight?